Guten Tag, liebe Freunde. Bonjour, chers amis. Heute ist die vierte Edition L'Apollé de Berlin 2022. Wir freuen uns für mehrere Sachen, aber vor allem, dass wir heute über 60 Winzer haben, über 900 Angemeldete. Und dieses Jahr ist unser Jubiläum, das Jubiläum 20 Jahre der Firma Vin sur Vin, Sébastien Byzantin. Also, es sind heute einige junge und neue Winzer, die wir im Programm aufgenommen haben, und einige so wirklich so feste Beziehungen bei uns im Programm, die aber die junge Generation das übernommen haben. Und viele junge, neue, damit das Programm immer dynamisch, energisch bleibt. Wir freuen uns, Sie auch auf viele neue Entdeckungen, viele Weine zum Probieren. Jetzt sind wir in der Champagne, fangen wir sogar an. Wir haben ein paar neue Winzer im Programm genommen, Champagne Francis Boulard. Und da sie sich in der Montagne de Reims sich befinden, es ist wirklich im Moment das Gebiet, der wirklich in ist. Déjà, moi, je suis arrivée assez tard sur le domaine de mon père, parce que j'avais déjà plus d'une trentaine d'années. J'avais déjà fait mon expérience professionnelle ailleurs. Mais par contre, je voulais quelque chose qui me corresponde plus naturel. Donc du coup, je suis revenue travailler avec lui en 2003. Et à part ça, à ses côtés, ben voilà, j'ai découvert le monde du vin, le monde de la vigne, le monde de bio, le monde de la biodynamie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite ouvert l'esprit et qui me correspondait exactement à ce que je recherchais dans ma vie de professionnelle, entre guillemets. Et du coup, maintenant, le domaine perdure. Au départ, c'était Francis Boulard. Maintenant, c'est Francis Boulard et fille. Domaine Jean-Yves Devevet, Brigitte et Jean-Yves. Also, das gehört so in Südburgund. So, sie sind so im Rüli. Und da werde ich die fragen, warum sie zu uns jetzt eingestiegen sind. C'est parti sur une relation humaine qui avait l'air sympathique. Ouais. Donc, pourquoi pas? On essaie. Parce que Sébastien avait entendu parler de vous, bien sûr. Et donc, c'était pour lui très ciblé de venir chez vous, tu vois, mais il voulait avoir un sentiment, il savait que les vins étaient bons, et il voulait savoir déjà comment est l'homme derrière, l'homme avec un grand H, voilà, comment ils sont derrière, qu'est-ce qu'ils reflètent, quelle est leur énergie et leur côté humain, voilà. Non, c'est pas évident, je pense, travailler en Allemagne quand on n'a jamais fait, et en faisant le style de vin qu'on fait, nous, qui est assez libre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans les standards bourguignons, même si on met beaucoup en avant les terroirs. On n'est pas dans un formatage très, très rigoureux. On laisse un peu faire les choses. Et donc, trouver son marché, et en plus sur des vins d'une gamme un peu intermédiaire, Haute-Côte de Beaune, Rully, pas les grands noms de la Bourgogne. Donc, il faut trouver les bons endroits. Et j'ai pensé que vous étiez les mieux placés pour ça. Hier sind wir bei dem Domaine Allier, Philippe Allier, der Vater. Das ist in Chinon, in der Loire-Zentrum. Und das sind natürlich Cabernet Franc. Wir arbeiten auch, es gehört zu einer unserer ersten Lieferanten, Winzer, seit dem Anfang der Firma. Wir haben immer eine super fließende Beziehung, tolle Arbeit, traditionelle Cabernet Franc. Und jetzt ist natürlich die junge Generation, die das übernimmt. Ouais, mais nous, c'est ce qu'on cherche aussi, hein, des relations humaines, pas des relations forcément de travail, enfin une relation de travail, mais surtout une relation humaine. Et nous, on est contents de venir. Chinon, ça bouge quand même beaucoup. Il y a des jeunes qui arrivent, et il y a encore beaucoup à faire. Mais c'est vrai que bon, moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir repris un domaine que mes parents ont construit il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, bon, c'est beaucoup plus simple, mais il y a beaucoup de jeunes. L'appellation Chinon est en train de bouger énormément. Nous, on n'aime pas. Enfin, les effets de mode, c'est pas notre truc. Nous, on est toujours dans notre petit cocon chez nous, on fait ce qui nous plaît, on aime faire les vins qu'on aime déguster, et on ne suit pas forcément à la mode du moment. Ich habe an Sébastien eine Flasche Huisserie 2014 blind serviert an mein Mann Sébastien, und er dachte, wir wären in Burgund. Bah,
sind wir bei Jean-Marc Rouleau, aber es gibt einen anderen Partner daneben und ich möchte gerne wissen, wer ist das denn? Donc c'est Félicien, mon fils aîné, voilà. Et qui va bah, expliquer ce que tu as fait, Félicien. Voilà. Voilà. J'étais ingénieur ferroviaire. J'ai fait un BTS à la BT parce que j'ai décidé de me reconvertir. Et puis là, j'arrive tout doucement au domaine. Donc je suis là depuis 3 semaines, mais je vais m'inscrire sur le long terme. Je vais arriver doucement. Voilà, et, ça, et c'est, un grand, c'est un grand jour parce que c'est la première fois que ça arrive, ça. Donc j'ai fait la photo. Voilà. Et le papa, il est fier, évidemment. Bah oui, bien sûr, oui, je suis content, oui. Voilà. Tout va bien. Oui, 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 tout va bien. Geht weiter und was für eine Persönlichkeit haben wir jetzt gerade? Marianne Wild vom Restaurant Tim Rauer, 2 Michelin Sterne, 26. beste Restaurant der Welt. Hallo. Wir, wie Sie wissen, wir feiern unsere 20 Jahre Jubiläum und Marie mit Tim arbeiten wir zusammen seit dem Beginn, seit dem Anfang. Aber warum? Warum? Weil wir die gleiche Leidenschaft teilen für gutes Wein und gutes Essen. Und ich glaube, dass ihr uns so lange begleitet, weil ihr eben ganz speziell, ihr spürt unser Essen, unsere Passion, die wir mit unserer Gastronomie hatten. Ihr habt von Anfang an uns geglaubt, uns immer unterstützt. Und ich finde, das Tolle ist auch, dass ihr immer diese ganz besonderen Weine für uns aussucht, weil ihr genau wisst, dass unsere Aromenwelten sind ja sehr unterschiedlich und sehr anders als wieder bei anderen Restaurants, gerade mit diesen asiatischen Süße, Säure, Schärfe. Und ihr habt immer die perfekte Lösung für uns. Also man kann immer mit euch interagieren, ihr habt immer wieder neue Ideen. Und ich finde, dass dieser Austausch und diese Liebe zum Produkt, die uns auch verbindet über die ganzen Jahre. Es ist eine Liebebeweis, würde ich sagen. Merci, Marie. Bon, und jetzt sind wir in eine Domäne, die ich wirklich so besondere finde, für einen Grund. Jedes Mal, jede Woche, wenn wir ein Glas, eine Flasche davon trinken, fühlen wir uns, wir könnten einen Marathon rennen. Ich möchte ihn unbedingt fragen, warum? Le vibratoire. Bien sûr. Tu vibres. Ah ben ouais. Mais tu vibres à un taux qui est standard, qui est entre 7 et 8 000 unités bovi. Le bovi, c'est l'unité de mesure. D'accord. Qu'est-ce qui amène ? Parce que c'est un peu trop technique. Non, 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 c'est pas technique du tout. 7-8 unités bovi, c'est... Comprends que ton corps, c'est une écluse. D'accord ? Tu montes ou tu descends, comme un bateau. Ouais. Si tu prends un vin qui est fait sans amour, et où il n'y a pas de travail sur le vibratoire, t'es à 6-7 000. Il se passe rien. Quand tu mets quelque chose dans ton corps qui vibre à 80 000, qui est 10 fois ton corps, regarde, ton corps, il fait... Voilà. Il sourit. Alors comment on obtient du vibratoire ? Eh ben, on travaille touché, fait sur le nombre d'or, on travaille en cosmoculture, donc on travaille sur la lithothérapie, on travaille sur le tellurisme, on travaille sur tout ce qui permet de vibrer. Un caillou, ça vibre, un cristal, ça vibre, de l'eau, ça vibre, la musique, ça vibre. Donc tout ça, c'est voilà. Présent au chef. Et puis après, toute l'équipe est formée à ça aussi. Ah ouais ? Ah bien sûr, parce que sur les bouteilles, c'est marqué Claire et Fred et l'équipe du domaine. Voilà, c'est important de s'entourer de gens qui aussi vibrent, et ça permet d'avoir des vins qui, hop, c'est pas les meilleurs vins du monde, mais par contre, sont bons pour ton corps. C'est pour ça que tu peux aller faire un marathon. Tiens, ich habe jemanden gefunden. Wie heißt du denn? Ich heiße Noemi Visentin. Ich bin die Tochter von der schönen Dame hier und von Herrn Sebastian Visente. Ich glaube, das wäre vielleicht interessant, dich zu fragen, welche Winzer oder welche Weine du gerne trinkst, aber wirklich in der Sinne trinken. Du hast eine wunderschöne Gefühl-Emotion. Da fallen mir direkt 2 ein. Einmal will ich unbedingt den Club erwähnen, weil diesen Sommer habe ich auch mein erstes Mal die Weinlese dort gemacht und es ist mir einfach im Kopf geblieben. Ich konnte die Trauben selber ernten und habe dann einen Tag später direkt auch, natürlich nicht die gleichen Trauben, aber den Wein schon probiert und das, sowas bleibt einfach im Kopf und es geht runter und man merkt, da ist so viel Geschichte hinter und so viel schönes Gefühl, genau. Und dann natürlich Elian daraus. Das bleibt schon immer mein Lieblingswein und vor allem der Chante Coucou oder Klobake, das ist unglaublich, den kann man so gut trinken, da würden wir gerne mal kurz hingehen und Hallo sagen, oder? Super. Der
Knoblauchkäse ist natürlich der, den ich unglaublich liebe. Der hat einfach so viel Aroma und es ist einfach, da fühlt man einfach die Wärme, dieses Familiengefühl, diese Liebe, die da reingesteckt wird. Und man kann einfach nicht mehr sagen, außer zu sagen, das muss man probieren. Und ich würde noch was dazu sagen. So, wir haben über neue Winzer, die wir im Programm bekommen haben. Elian gehört auch zu einer der ersten Winzer. Und vor allem, Elian hat uns die Tür im Burgund aufgemacht. Ohne Elian hätten wir niemals diese große Namensburgund. Oui, oui, c'était un moment où Sébastien est venu chez moi. Et on était tous les deux, on a dégusté. Et je voyais qu'il n'était pas bien. Et quand on est passé à table, j'ai ouvert une bouteille de champagne et j'ai dit, bon Sébastien, ça va pas? Il me dit, mais non, ça va pas. J'ai perdu toutes mes cartes de Bourgogne. Ben, j'ai dit, mais c'est pas grave, on a téléphoné un copain. Et pendant une demi-heure, on a téléphoné. C'était une époque, c'était il y a 20 ans. Donc on est parti du sud de Bourgogne, on a appelé Philippe Valette. Et on est remonté Olivier Lamy, on a appelé Antoine Jobard, on a appelé Yves Confuron, on a appelé François Chaverien. Et je ne sais plus qui on a appelé d'autres, on a appelé une dizaine. Et tous les gars ont dit, ben ouais, pourquoi pas, ben ouais, si tu nous l'envoies, oui, oui, pourquoi pas. Et voilà. Là, on se connaît tous, quoi. On vient aussi parce qu'on est super contents de se retrouver. Avec eux, c'est toujours un accueil génial. Et voilà, et c'est une famille, c'est la grande famille, quoi. Ein Winzer ist gerade aus Burgund, Domaine Chantal Lescure, François Chavorien aus Nuit-Saint-Georges. Was macht er da? Er probiert beim anderen Winzer. J'aime ses vins, premièrement, et si je suis là, c'est grâce à lui. Quand j'ai un doute ou quelque chose, quand Sébastien vient goûter, je lui dis, mais tu me dis la vérité, quoi. Hein, on se parle. Quand je dois faire un changement de prix, un truc, j'appelle toujours Sébastien. Sébastien, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben vas-y. Alors il me dit, oh, si fais ça attention passe, en ce moment, si ça passe là tu peux Sébastien, y aller. Ça passe, voilà. Tu vois, c'est plus important le professionnalisme et que ça soit familial, qu'on soit une grande famille, qu'on se comporte bien. Quand on fait avec Sébastien une tournée, et quand on voit les formations qu'il fait pour les salariés et les sommeliers, c'est exceptionnel. Ce travail de fond, c'est incroyable. Il n'y a personne qui fait ça. So, wir haben schon einige Winzer gesehen, einige Kunden und jetzt endlich haben wir den Chef, Monsieur Visantin Sébastien, persönlich da. Das ist die vierte Edition vom Lapolet und wir möchten gerne ihn fragen, endlich, was er empfindet, was es ihm wirklich verbindet mit diesen ganzen Winzer, diese ganzen Kunden. Heute ist es einfach noch nie erreicht, diese so viele Leute. Genau, ja, das ist... Es ist ein besonderes Gefühl. Es ist das, was wir aufgebaut haben. Die Stimmung ist sehr gut. Ich glaube, jeder hat seine Freude. Es gibt neuen Winzer zu entdecken. Es gibt auch die klassischen Winzer. Ein guter Freund, Musiker in der Philharmonie, sagte mir gerade, Sébastien, das habt ihr euch verdient, das habt ihr aufgebaut. Das seid ihr. Die Winzer sind da für euch. Ich glaube, das ist da, wo man merkt, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wie gesagt, mit Passion und nie ein wirtschaftliches Ziel gehabt. Wir haben gestartet, wir waren fast Idealist, ein Weinprogramm aufzubauen, nur aus französischen Weinen. Das war vor 20 Jahren eigentlich nicht realistisch. Und peu à peu, und Schritt nach Schritt und Stein nach Stein, um es heute so zu haben. Also da, wo wir sind, bin ich ganz stolz auf das, was wir zusammen geschafft haben für unseren Winzer, für uns und für die Kunden, die uns so viel Vertrauen geben, dass man merkt es jetzt und alles, die Kräfte, unsere Energie, die wir 20 Jahre lang investiert haben, die manchmal zurückzubekommen, konzentriert auf einem Tag, so wie ihr in der französischen Botschaft mit 62 Winzer, 1000 Besucher, das sollte man annehmen mit Freude und sich darüber freuen. Wir bleiben bescheiden, es ist der Tag der Winzer, unser Tag auch. Und das genießen wir jetzt. Thank you.
Wir haben ein bisschen so alte Bekannte, so feste Beziehungen. Wir haben auch wieder, wie vorhin in Burgund, junge Winzer, neue Winzer aus Chavignol, genau Chavignol, Sancerre. Und er hat viel mit Gérard Boulay gearbeitet. Mathieu de la Porte. Déjà d'une, on voit un petit peu là. Le côté village où Gérard il a été le premier à nous mettre en contact. Comme quoi à Chavignol on est quand même un village assez solidaire. Et puis la qualité de votre portefeuille elle est juste assez incroyable. Moi j'avais 4 importateurs en Allemagne différents dans les 4 coins de l'Allemagne et d'avoir trouvé un distributeur comme vous, c'était un peu un rêve depuis 10 ans d'avoir le bon importateur avec ce portefeuille aussi qualitatif et ça me simplifie la vie et j'imagine que je suis sûr de votre qualité de distribution. Donc voilà. Et je n'ai pas hésité longtemps. C'est auch wichtig, sowas zu hören. Natürlich könnten wir sagen, oh, wir haben eines, reicht uns, wir haben der Beste. Aber das ist immer schön, junge Winzer dazu zu nehmen und immer so Dynamisme, Energie beizubringen. Also, liebe Freunde, wir haben ein neues Domaine Cassiope in Burgund. Das ist der kleine Baby von unserem Programm, aber schon überall gewollt, angefragt, gesucht. Hugo und Talula, seine Frau und Partnerin auf dem Weingut, haben 2020 gestartet. Und warum sind wir da gekommen oder bei Ihnen angekommen, wenn er noch nicht seinen ersten Jahrgang abgefüllt hatte? Weil Hugo natürlich eine sehr gute Empfehlung gewesen ist von unserem Freund Jean-Marc Roulot. Des vins produits sur un domaine de 5 hectares qu'on a converti dès le départ en bio et en biodynamie. Et donc le principe était, parce qu'on a des types de sols, des topographies et des âges de vignes totalement différents, de faire à partir de chaque parcelle, aussi bien sur les rouges avec les pinots que sur les blancs avec les chardonnays et les aligotés, un vin pour chaque parcelle. Donc vraiment essayer de... Parce qu'on n'avait pas l'expérience des terroirs et on ne savait pas du tout ce que ça allait donner en termes de vin, c'était vraiment d'essayer de comprendre sur la première année les terroirs et d'accompagner les vins vers tout simplement ce qu'ils voulaient exprimer. Alors l'idée avec Hugo, donc Hugo avait un petit peu plus d'expérience que moi en arrivant sur le domaine, mais l'idée c'était d'avoir la même formation et à peu près le même background, et du coup l'idée effectivement c'était de se partager vraiment de la même manière la partie technique, que ce soit aux vignes ou en cave, donc vraiment on est à 100% tous les deux en vignes et cave. Après évidemment sur les parties qui font partie de la gestion d'un domaine type commerce, etc., on se partage aussi beaucoup les choses, mais il n'y a jamais aucune décision, qu'elle soit technique ou commerciale, qui est prise par l'un sans que l'autre ait donné son aval ou son avis, et voilà. Voilà, l'idée c'était aussi de travailler en couple et de faire vraiment quelque chose. C'est pas seulement un projet de travail, c'est vraiment un projet de vie, puisque c'est toute notre vie en fait. Voilà. Nach so vielen Jahren, 20 Jahre Jubiläum, wir haben eine besondere Gast, eine der ältesten Kunden bei uns, und da möchte ich ihn gerne fragen, warum nach so vielen Jahren bist du uns immer noch so treu? Weil ich hier die besten Qualitäten aus Frankreich finde. Und weil es eine sehr gute, beständige Liaison ist zwischen Verkauf, Restauration und Weinhandel. Und wir finden in Frankreich, ich kenne keine Alternative, wo auch eine Philosophie dahinter steht, wie man Wein dementsprechend auch präsentiert. André Massionga, Sie kennen ihn, der hat natürlich in andere Restaurants, Arbeitsstellen, Michelin-Sterne gearbeitet. Und jetzt, er wollte nicht wirklich, dass ich ihm Interview mache, aber es gibt eine wichtige Information. Genau, ja, wir eröffnen diesen Monat das Restaurant Massionga. Wir haben endlich die Möglichkeit, unser eigenes kleines gastronomisches Paradies zu eröffnen. Und ja, vorher wollten wir noch ein bisschen was probieren, was wir auch auf die Karte nehmen können. Richtig. Und ich freue mich, dass du mit deinem neuen Anfang auf dich selbstständig, dass du mit uns weitergemacht hast. Sehr, sehr gerne. Das ist was heute das Motto, weil es ist 20 Jahre Jubiläum der Firma 20 sur 20. Ja. Und da haben wir wirklich über das Motto Beziehung, Treue, Liebe, Leidenschaft, was uns alle verbindet. Sehr gut. Ja, das passt. Und das ist wieder ein neuer Beweis. Vielen Dank. Merci, André.
wir haben viele neue Winzer im Programm gesehen, aber es gibt so ein paar, wie man im Rugby sagt, Pilier, so richtige feste Winzer. Et c'est Domaine Tempier, bitte schön. Le vin, c'est d'abord une question de relation. Et nous, on fait ce travail tout au long de l'année en essayant d'appliquer un certain nombre de choses, mais c'est aussi pour se faire plaisir. Et quitte à travailler autant, le faire avec des gens avec qui on a des accroches, où on sent qu'il se passe quelque chose. Et avec Sébastien, ça a accroché effectivement tout de suite. Pas seulement parce qu'on est sur la même longueur d'onde en termes de vin, c'est plus une question de relations humaines. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, si tu veux. Il y a du monde, et effectivement, ça reste très chaleureux. Il y a une grosse ambiance, les gens sont contents d'être là, ça se sent, les vignerons comme les clients, et ça, ça n'a pas de prix. S'il faut aller faire des salons, je ne sais où, et excuse-moi, je vais le dire comme il faut, se faire chier, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ou nous, on préfère retourner dans nos vignes et s'occuper de notre cave plutôt que de faire ça. Donc c'est toujours un grand plaisir de venir vous rencontrer, ça on vous le doit, et c'est encore une fois sur la base des échanges. Domaine Augereau, Loire. Wir möchten ihn fragen, der gehört zu der neuen, letzte kleine Baby von der Firma. Und wir möchten dich fragen, wie bist du zu uns gekommen? Was hat wirklich das Licht oder die Tür aufgemacht? Donc, oui, c'est un grand plaisir de vous rejoindre. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'être mis en contact par un grand vigneron d'Anjou qui s'appelle Marc Angéli. En fait, c'est un ami commun, je suppose. Pour moi, c'est une sorte de guide aussi pour la biodynamie, le développement de la biodynamie. C'est vrai que quand Sébastien m'a appelé en disant Marc m'a conseillé, c'était déjà un honneur pour moi d'être conseillé par Marc Angéli, parce que c'est un tellement grand vigneron. Et puis aussi, c'était un grand plaisir de rejoindre, on va dire, la famille 20 sur 20, parce qu'il y a tellement de vignerons incroyables dans la sélection. Et les échos que j'avais déjà, c'est que c'était une entreprise très familiale, avec beaucoup de sérieux, mais aussi de relations avec les vignerons sur le long terme. Donc, une grande chance d'être aujourd'hui à la Paulée et puis d'apprendre à se connaître. Merci. Wir haben 4 Jahre darauf gewartet, uns mit euch wieder zu treffen. Unseren kleinen Familienbetrieb, ganz bescheiden, haben wir vor 20 Jahren aufgebaut. Und ohne eure Hilfe, eure Unterstützung, liebe Gäste und liebe Kunden, liebe Weinfreunde, wäre dieses Abenteuer, was wir erleben, was wir machen, nicht möglich gewesen. I am very honored that you have asked me to say a word tonight. Not only because of our friendship, but also because with Gérard Boulet, who is here tonight, we were your first two winemakers 20 years ago when you began. Und ich möchte dafür auch meine Frau und meine Tochter danken, weil sie haben alles mit mir in uns aufgebaut. Genießen Abend. Bis später.